let it go, let it go. Эй, Hugh Hefner, yeah, yeah, Hugh Hefner, yeah, yeah. Бля, у меня голос охрип. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est FM Grand. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, on a gagné les barrages. C'est-à-dire que là, on est monté en Ligue 3. Donc, on a fait quand même une très très belle performance. On a gagné la finale. Et là, maintenant, on est promu. Donc, on est promu dès la première saison. Donc, ce qui veut dire que, déjà, on a augmenté au niveau de la réputation. Comme vous pouvez voir, on est très faible. Mais on était à 5% et au jour d'aujourd'hui, on est à 25%. Donc ça va nous permettre aussi de pouvoir évoluer de club. Bon, dans tout ce qui est vision du club et tout ça, on peut voir que, voilà, on est ici, la valeur estimée du club est de 427 000 euros. On commence à se faire connaître. Donc comme vous pouvez voir, au niveau finance, ça va, on est très très bien. On a fait énormément, énormément de transferts. On a regardé un peu tout ce qu'on pouvait faire. Donc on a toujours Léo Fassan au niveau du gardien. On a son remplaçant par contre qui vient d'arriver. Donc Mark McMillan qui est arrivé de Queen's Park librement. Voilà, c'est un gardien qui va beaucoup évoluer dans l'avenir. Je me fais pas de soucis, il a un très bon potentiel joueur star de l'équipe première. Bon, pour l'instant ça sera le gardien remplaçant. On peut voir qu'il a une très très bonne fiche. Si vous voulez voir plus, je vous invite à faire pause. Donc voilà, 21 ans. On a Sam Dryden qui vient d'arriver aussi. Donc lui, il est arrivé librement de Cowden Beats. Donc voilà, très très bon joueur qui peut jouer à droite et dans l'axe. Bon voilà, il a une fiche qui est pas très 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 belle. Mais il va nous faire du bien. On avait besoin de profondeur. Ce sera un joueur de rotation, mais je me fais pas de soucis. Que je me fais pas de soucis. On a donc Scott Renke qui était déjà là. Qui est pas trop mal non plus. Nathan Kouné qui est encore en prêt. Jusqu'à la mi-saison. On a Luke Turner qui est arrivé librement. Voilà, il est arrivé l'année dernière. Donc joueur pas trop mal, honnêtement on a un grand espoir devant nous, très bon potentiel, il a une bonne fiche, il progresse bien, donc voilà, lui on est plutôt satisfait. Mackenzie qui était dans l'équipe réserve qui est là, hop là on va juste mettre info générale, hop là, tac, Luke Watts qui était encore là l'année dernière qui est très très bon. Paul Allan qu'on a acheté l'année dernière qui est très très bon aussi, je me fais pas de soucis. Hervé Swan qui est arrivé lui de Cowden Beats encore librement, donc on a de la chance. Bon joueur, il reste encore à le faire progresser, mais il est pas mal. Son petit point faible c'est l'agressivité, il a été blessé en début de saison. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc on en était là. Jack Breen, qui est arrivé de Albion Rovers. Très très belle fiche. Honnêtement, au milieu de terrain, il va nous faire du bien, je pense. Je vous laisse mettre pause comme d'habitude. Alors, on en était là. Kieran Inglis qui était là. McCord qui était déjà là. Russell Dingwall qui était déjà là l'année dernière. Curtis Roberts qui est arrivé de Erdry. Hop là, pardon. Je vais revenir dessus. Bonne fiche, mais qu'on va surtout mettre au milieu droit. Il a une très très bonne fiche. Après, qui c'est qu'on a recruté d'autre? Regan Thompson. Alors lui, je peux vous assurer. On a mis 1000 euros, mais je suis content de ce qu'il fait. Très très bon potentiel. Voilà, il a que 16 ans. 16 ans, vous vous rendez compte? 16 ans. Bon là,
Il baisse, je sais pas pourquoi. Mais sinon, détermination 16, agressivité 16, qualité physique 20, vitesse 16. Je peux vous dire qu'on est sur quelqu'un là. À surveiller. Meginson qui est arrivé l'année dernière. Michael Farfal. Bonne fiche aussi. Qui est arrivé de Annan. Donc, non, de St. John's qui a été prêté à Annan. On l'a payé 6 millions 6 500 000. Donc, pour ce qu'il propose, c'est pas mal. On a un bon milieu. Milieu gauche. Très très bon. Après, on a Logan Martin qui est arrivé. Très très belle fiche aussi. Il est arrivé pour 2005. Donc voilà, il est arrivé de Cowden Beats. On les a pillés, honnêtement. Connor Higgins, on l'avait déjà. Ross Mutch qui est arrivé là en fin d'année. Donc il est arrivé de Dundonald. Librement, donc on se fait pas de soucis. C'est un jeune qui va évoluer. On va lui donner sa chance quand même. Mais il fait des très très belles performances. Donc au niveau du calendrier, voilà. Donc les matchs amicaux se sont plutôt bien passés, je trouve. On a fait déjà 2-1 contre Arbroath. Ross Country, vu qu'on avait vendu un joueur, il nous devait un match amical. Donc on a récupéré toute la recette. On a perdu 2-1. On a joué contre Crystal Palace, le club de première division anglaise. On a fait 2-2. Donc là, c'est très très belle perf. Montrose, qui est dans notre pool, enfin dans notre championnat, on a gagné 2-1. Après voilà, on a joué la Brentford Cup. Donc petite défaite 3-2. Défaite 1-0. Livingston qui sort en première division, on a gagné 3-0. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mes joueurs étaient vraiment en folie, folie totale. Et derrière, on perd contre Dundee United, qui sont montés en première division. Donc, on a fait quand même le taf. On a fait quand même le taf. Bon, après, ça, c'est des petites équipes, donc c'est normal qu'on ait gagné. Et nous, on va partir directement contre Dumbarton. On va aller voir déjà les classements. On va aller voir déjà la présentation de la saison. On peut voir qu'on a un joueur dans les joueurs clés. On en a deux même, Thompson et Cooney. Donc notre défenseur et notre milieu de terrain. Nous, on est évalué à la 6e place. On essaiera de faire beaucoup mieux quand même. On a vu qu'on a fait une très très belle pré-saison, donc honnêtement, je pense qu'on peut faire le taf. Allez, nous, on va partir directement pour ce match. On va faire la sélection rapide, normalement il n'y a pas de changement. McCann, Dryden, Watts, Thompson, McCord, on va l'enlever. On va l'enlever et on va mettre un petit Jack Breen. Voilà. Et on va partir directement pour ce match. Bon, l'équipe a besoin encore de se faire à la composition et tout ça, mais honnêtement je me fais pas du tout de soucis. Allez les amis, on va partir pour ce premier match. J'avais pas vu que Jack Breen était très faible physiquement, même s'ils me l'ont dit. Je le ferai changer à la mi-temps. Brennan. J'espère ne pas faire une contre-performance dès le premier match. On a joué quand même la montée, donc oh non. À savoir que Léo Fassad nous a fait une très très belle pré-saison. Il nous a fait des arrêts exceptionnels. On va leur en demander plus. Oh non, premier but.
Allez, concentrez-vous. Aïe, 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 aïe. De 0 déjà, ça fait mal. Oui, oh non, hors jeu. Allez, là faut vraiment donner le maximum. Megginson. Oh non. Allez. Heureusement, il est hors jeu parce que la 3-0, ça refait très très mal. Allez, moi je crois en vous. Allez, mi-temps 2-0. On va leur dire qu'on veut voir autre chose. Non, on va rien leur dire. On va les laisser sur ça. Tactique. Brin va sortir. On va faire entrer Paul Allan. On va jouer un peu plus offensif. Voilà. Et on va commencer la deuxième période. Oh putain. Allez Alan. Putain, mais c'est pas vrai. Je pense que la saison va être compliquée. Qu'elle va être vraiment compliquée. Allez, sérieusement, il n'y a aucune passe qui passe. Allez, on va faire des changements là parce que ça va pas. Tac, Farlan va sortir. On va faire entrer un petit Connor Inglis. On va faire entrer Curtis. Dritten nous fait vraiment un match de merde. Oh là là. Je suis dégoûté de ce premier match. Honnêtement, on méritait beaucoup mieux. Oui. Oui. Bien joué, Russell. Allez, on y va, là. Allez, allez, on y va. Là, il faut y aller. Allez, Higgins. Petit centre. Oui, bravo. Doublé de Russell. Pfiou. On a de la chance. On a vraiment de la chance. Allez les gars, il faut y aller là. Là, il faut envoyer. Allez, on en demande un peu plus. Oui, Higgins, oui. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce qui m'a fait là. Oh non non, pas maintenant, pas maintenant. Pfiouf. Allez, au moins arrachez le nul. Je demande juste le nul. Tous nos joueurs sont fatigués, voilà. Première défaite, 3-2.
Allez, on va leur dire qu'on est satisfait quand même. On est bien revenu dans la seconde période. On va le féliciter. Et ouais, je pense qu'on fera l'autre match. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous ferai des matchs en direct et je ferai quelques matchs de mon côté pour que ça puisse avancer. Quand on sera dans un grand club, c'est vrai que je ferai toute la saison, mais suite par suite. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'épisode précédent. On est monté quand même. Qu'on est monté. Alors on va jouer contre Montrose. On est 8e, ils sont 6e. On avait gagné 2-0 en match amical. 2-1 ou 2-0, mais on avait gagné. Donc j'espère qu'on va faire la même performance. Alors j'ai l'entraîneur de la réserve qui nous fait pas mal de transferts. À voir si c'est bénéfique pour nous après. Mais pour le moment, on a les bonnes finances, donc on va rien lui dire. Donc j'ai fait pas mal de rapports. Voir si on peut trouver un joueur potable, librement, qu'on revendra par la suite. Bon, en tout cas, on a fait pas mal de transferts. J'espère qu'on va pas redescendre. L'objectif, de toute façon, c'est de se maintenir. Il faut se maintenir à 200%. On n'a pas le droit de descendre parce que je pense que mon contrat va se terminer sinon. Et même pour moi, pour ma carrière, je pense que si je descends, je démissionnerai. Ça voudrait dire que derrière, j'ai pas fait le taf. J'ai pas fait le boulot demandé, donc je pense pas avoir ma chance derrière. Par contre, ça serait bien qu'on augmente aussi. Et j'ai fait une demande de diplôme. Donc on a passé le diplôme C haut la main. Et maintenant on va passer le diplôme B. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, on a le diplôme national C. Et on est en train d'étudier pour le 10e diplôme national B. Donc on peut voir que rapport avec les médias, j'ai 40%, contre degré d'investissement 65, 86. Non, on est vraiment bien. On est vraiment très très bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Dynamique de groupe. On est excellent parce qu'on a fait une très très bonne pré-saison. On n'est pas mauvais depuis quelques temps. Parfait, ils ont très très bien réagi, c'est une bonne chose. Et nous, on va partir pour ce match avec Brechin contre Monros. J'aimerais bien partir en France après. Honnêtement, j'aimerais avoir une équipe française qui vienne à moi. Allez, nous, on va envoyer l'entraîneur adjoint. Hop là. Je pense qu'on va faire une performance. Allez. On n'est pas trop mal. Turner, Cournet, Swan, Farfal, Thompson, Brin, Martin, Diegoual. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Déjà, j'aimerais avoir Watt. Watt dans mon équipe parce que il fait le boulot. Après, qui c'est qui mérite? Robert.
Robert mérite particulièrement. Ouais, on va enlever McCann. Et on va partir là-dessus. Allez. J'ai confiance en mon équipe sur ce match. On peut voir que ça commence fort au niveau des tirs et des tirs cadrés. 4 tirs, 5 tirs. Bon, malheureusement, derrière, on n'a rien, mais on va leur en demander plus. Allez, les gars. Oui! Parfait, mon petit Regan Thompson. 1-0. On est désormais cinquième. Allez, moi je crois en équipe. Je crois en mon équipe là. Et Farlan. Oui, oh non, c'est dommage. C'est pas grave. Bon, 1-0 à la mi-temps, c'est très bien. Il faut continuer sur ce rythme. J'ai beaucoup apprécié. Allez. On va en demander plus. Et on va faire quelques changements à la 65e. Non! Allez, changement, changement, changement. Soit n'est pas du tout dans son match. Malheureusement, je n'ai pas de défenseur gauche. Là, j'ai chié dans la colle. Par contre, on va lui dire qu'il va falloir qu'il se reprenne là, par contre. On va le sortir, on va faire entrer Curtis. Voilà, on va faire juste ça. Allez. Allez. Oh, bien joué. Bien joué. Oh non. On va faire nos changements. Paul Allen va rentrer. On va mettre Meginson là, Farlan va sortir et Ungish va rentrer. Équilibré. Non, très offensive. Allez les gars, allez les gars. Non, ça sera tout. Je pense pas qu'on puisse marquer là. Oh oui. Oh oui! Russell Dingwall, encore là pour nous sauver. Ça, c'est une bonne chose. Et voilà, victoire 2-1 contre Montrose. On va leur dire que je suis content d'eux. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. On est classé sixième de ce championnat.
Donc on peut voir que Cove Rangers, qui sont montés en même temps que nous, débutent beaucoup mieux que nous. Troisième. Bon, après, attention, il y a deux matchs qui ne se sont pas joués, donc à mon avis, ils vont redescendre à la cinquième place. On est bien. On est très très bien. Au niveau du calendrier, je pense que dans la prochaine vidéo, on fera ces deux matchs. Et après, moi, j'avancerai jusque là ou jusque là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit like. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao!